Yo les gars, c'est Zunosta. Suite à la dernière mise à jour de Update 17 partie 2, pour pouvoir acheter les Raids Phoenix, il fallait l'avoir Mastery 400. Cependant, j'ai décidé de me préparer pour le Update 17 partie 3, notamment pour le Doug V2 et le Superman V2. Bon, là je vais aller au shop, je vais pouvoir l'acheter. Je crois qu'il n'est pas en stock, mais quand même, je pense que je peux l'équiper tout de même, vu que je l'ai en Robux. Voilà, vu que je l'ai déjà depuis longtemps, je l'ai masteré 528. L'objectif, ça va être de le monter jusqu'à master 600, si possible. Espérons qu'on va y arriver. Bon ben, c'est parti. Ça fait déjà très longtemps que j'étais pas Freezer, donc du coup, vu que j'étais Swordman, tous mes points sont sur les épées, en fait tous mes stats. Va falloir que j'ai acheté de nouvelles stats en venant parler à ce NPC qui se trouve au château, en fait, chez Château de Mer, en fait. Donc du coup, faut le donner comme au deuxième monde 2500 fragments, comme ça on peut reset nos stats. Ainsi, je peux enfin remettre des nouvelles stats, comme ça je peux augmenter les fruits. Je pense que je vais mettre déjà max pour le fruit, comme ça au moins c'est fait, et max pour la défense, là c'est parfait. Puis je mets juste 500 pour les mêlées, comme ça je peux au moins avoir de l'énergie. Et tout le reste, les 1800 qui restent, je vais le mettre sur la sword, comme ça au moins je peux frapper avec la sword, puis tuer les mobs avec l'épée. Mais bon, là maintenant que c'est fait, il va falloir que j'aille dans une île où les mobs ne peuvent pas me frapper. Mais je pense que la dernière île, là les mobs peuvent me frapper, donc par contre je vais quand même y aller. Afin de voir si ils peuvent me frapper ou pas. Il faut d'abord que je teste quels mobs ne peuvent pas me frapper si j'utilise l'acquis d'observation. Ce qui est bien avec le Duke, c'est que quand tu actives l'acquis d'observation, c'est que ben c'est comme si ça devient un free Logia. Par contre, si les mobs ont l'acquis d'armement, ils peuvent te frapper. C'est pas très ouf ça par contre. Ces mobs-là peuvent encore me frapper. Voilà que je trouve des mobs qui peuvent pas me frapper, comme ça je peux les frapper avec l'épée. Je crois que ceux-là aussi peuvent me frapper. En fait, tous les mobs de cette île-là, ils peuvent me frapper. Ils ont tous l'acquis d'armement, ce que je crois. Ouais. Bon, bah, je pense que je vais descendre sur la dernière île. Enfin, l'avant-dernier. Là où se trouve en plus le boss de Big Mom. Ouais, par contre. Ouais, il est où mon bateau, là? Ah oui, il est coincé. Bon, bah, je vais acheter une autre. C'est pas l'argent qui manque. Voilà. Là, c'est parfait. Donc on peut tout de même aller dans l'autre île. Je pense que c'est celle-là, mais c'est pas l'autre. Espérons déjà que ici je peux trouver des mobs qui peuvent en frapper. Ouais, là ces mobs-là, de 1200, c'est plutôt 1150. Ouais. C'est 2125. Ouais. Ces mobs-là peuvent en frapper. Donc du coup, je vais profiter de prendre la quête. Comme ça, je peux gagner de l'argent vu que j'ai pas mes 1 milliard. Ouais, c'est 1200. C'est 2125. Ouais, je vais déjà commencer par frapper celui qui a essayé de me frapper là. Ça serait bien. Parfait. Mais la meilleure des choses, ça serait au minimum de les tuer avec le fruit. Comme ça, au moins, je peux les tuer avec le fruit. Ça, c'est le meilleur moyen pour pouvoir farmer un fruit. Ainsi, tu les frappes qu'en un seul coup. Après, je pense que j'aurais dû peut-être mettre tout sur la sword. Comme ça, je peux faire beaucoup de dégâts. Là, on n'est que à 535. C'est pas mal. Bon, du coup, on va essayer d'augmenter petit à petit, mais ça va être long. Ça va être super long de monter ces masterés. Surtout monter un fruit qui n'est pas Logia, c'est encore plus dur que monter un fruit quand il est Logia. Après, Doug, c'est un fruit quand même qu'on peut monter facilement. Donc, du coup, ça va être un peu long, mais je pense que je vais y arriver à monter jusqu'à Mastery 600. Là, on est arrivé à 540, c'est déjà pas mal. 540, c'est beaucoup. 545. Bon, on dirait qu'on monte de 5 points en 5 points. Je pense que arrivé à Mastery 550, je vais essayer de faire le boss si la spawn. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis là. Ouais, je pense que ça fait déjà plus de 30 minutes que je suis là. Voilà, je suis arrivé à 550. Je vais prendre la quête du boss. La reine des gâteaux. Cake Queen. Ouais. En plus, il va me donner pas mal d'argent. Donc, du coup, ça pourra augmenter la thune que j'ai. J'ai envie au moins que dans le prochain update, au moins que j'ai mes 1 milliard. Ainsi, vu qu'il y aura une nouvelle réforme pour pouvoir utiliser l'argent, apparemment, on peut augmenter
On peut plutôt améliorer nos trucs avec l'argent. Donc du coup, ça pourra nous permettre d'améliorer les swords, les fruits, enfin. Ouais. Voilà. Par contre, lui, il fait trop mal. Ouais. Ça m'a monté de 3 niveaux. C'est pas mal. Arrivé à 553. Je vais faire ce deuxième boss nommé éléphant. Le capitaine éléphant. Lui aussi, je pense qu'il pourra me donner des masteries. Espérant qu'il va me donner beaucoup. Parce que déjà, c'était le boss que je faisais. Là, il était très dur. Et il m'a donné que 3 masteries. Et celui-là, il va me donner. Ah ouais, il m'a donné qu'une seule masterie. Donc, du coup, voilà. C'est pas énorme. En plus, il y a un fruit qui vient de spawn. C'est pas mal ça. Je vais le récupérer. Par contre, c'est super long ici. Ah ouais, je suis deg. C'est le fruit de bombe. Carrément. C'est le fruit de bombe. Il n'y a pas plus pire que ce fruit. C'est un fruit légendaire. Quand on le trouve, ça sert pas à grand-chose de le garder. Franchement. Donc, du coup, il va falloir que je trouve une solution avec ce fruit. La meilleure solution, vu que je suis tout seul dans un serveur et que j'ai rien à faire à part le jeter à la mer, ça va pas me donner un titre. De base, quand tu n'as jamais jeté un fruit à la mer, ça te donne un titre. Bon, je continue quand même avec des mobs qui peuvent me frapper, ce n'est pas grave. Jusqu'à ce que peut-être j'arrive à Master 600, espérant que je vais arriver. Ah, il y a les pirates. Ah, les pirates, ils se rapprochent. Ok, bon, bah là, je vais aller directement chercher les pirates au château des mers. Oui. Là, c'est calme. Par contre, ces pirates-là, ce qui est bien, c'est qu'ils te donnent un fruit à chaque fois. Donc, du coup, imagine que je gagne un bon fruit. Là, ça serait super. En plus, je peux le mettre dans mon coffre. Enfin, j'ai tous les fruits, donc du coup, je peux pas le mettre dans mon coffre. Je sais pas vraiment. Je vais aller voir. Oh! Ah ouais, c'est trop bien. J'ai eu le fruit de Doug. Ouais, c'est marqué pâte, mais voilà. C'est le fruit de Doug. Ça, c'est trop bien, ça, d'avoir un fruit de Doug comme ça. C'est trop stylé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais profiter de le mettre dans mon coffre. Ou soit le laisser par terre. Mais la meilleure des choses, c'est d'aller le mettre dans mon coffre. Je vais d'abord regarder parce que la dernière fois, il me manquait un fruit de Doug. Donc, du coup, je verrai un petit peu si je peux le mettre dans mon coffre ou pas. Et voilà. Non, je peux pas le mettre dans mon coffre. J'ai déjà deux Doug. Alors là, il faut que je trouve une solution. Six and a half hours later. J'ai décidé de faire une capture d'écran en écrivant le mot Doug et en le tenant devant ma main. Comme ça, je peux aller sur Discord. Voilà. Si je vais sur Discord, je peux le donner à quelqu'un. J'ai déjà pensé à quelqu'un qui s'appelle Lau. C'est la dernière personne qui m'avait donné le fruit de Doug. Voilà. Salut Lau. Comme ça, au moins il sait. J'ai trouvé Doug. Je voulais te le donner vu que tu m'avais passé ton Doug la dernière fois. Regarde ça. Après, je vais l'envoyer la capture d'écran. Comme ça, au moins il verra un peu ce que j'ai. Ça, c'est parfait, ça. Comme ça, au moins, il aura au moins une aperçu. Réponds vite, car je peux pas le mettre dans mon inventaire et j'ai peur de crash. Ça serait du gâchis. Ça sera du gâchis. 3:28 a.m. C'est vraiment dommage qu'il ne peut pas venir le récupérer parce qu'il était en train de dormir. Mais bon, je vais juste lui dire ok. Je viens de remarquer que j'étais pas dans mon serveur privé, mais dans le serveur privé de Dranix. C'est un autre youtubeur. Mais par contre, je n'ai pas le lien. Donc, va falloir que je le contacte sur Discord. Bref, salut Dranix. Faut bien que je le arrobase comme ça le ping bien. Tu veux le fruit de Doug? Comme ça, il me répond. Je suis dans ton serveur privé. J'espère au point qu'il va au moins répondre. Je vais profiter de lui envoyer quand même une capture d'écran de l'image. Au moins, il aura un petit aperçu. Je vais aussi lui dire de se dépêcher. Si tu le veux, dépêche-toi car sinon je risque de crash. C'est bien de bien préciser le mot crash dans ma phrase parce que j'arrête pas de crash quand j'ai toujours de la chance. Je vais quand même aussi lui dire, de toute façon, j'ai pas le lien de ton serveur privé, du coup, je ne peux pas le passer à quelqu'un d'autre. Enfin, avec des phrases pareilles, normalement, j'imagine qu'il va me répondre parce que moi, quand j'ai toujours de la chance d'avoir des bons fruits, j'ai toujours de la poisse. Après avoir vécu cet incident, ça me donnait même pas envie de le répondre. Mais tout de même, j'ai continué quand même à farm mon fruit en attendant qu'il me donne une réponse. Ah, je suis arrivé à Mastery 560. C'est pas mal. A few moments later. La bonne nouvelle, c'est qu'en retournant sur Discord, j'ai trouvé que Dranix m'avait répondu, mais qu'il n'était pas réveillé. C'est comme le premier. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que moi, je lui ai dit que j'avais crash. J'étais dégoûté d'avoir crash, mais quand même, j'étais obligé de continuer à farm le fruit. Et là, je suis arrivé à 580. C'est pas mal. En y repensant, là, j'ai les 1 milliard d'argent sans avoir remarqué. Là, je suis arrivé à 590.
C'est pas mal. On se rapproche des 600 mastery. Enfin, là, je suis déjà 600 mastery quand j'y pense. Ouais, je suis arrivé à 600 mastery avec un seul mob de plus. Même si ça n'augmente rien de spécial. Et voilà, maintenant que mon fruit il est enfin à mastery 600, je suis enfin content et fier de moi. Pour le fruit, c'est bon, mais pour le style de combat, c'est-à-dire le super-humain, vu que je sais pas vraiment ce qu'ils vont proposer pour le super-humain, j'ai décidé de farm mes styles de combat Mastery Max. Bon, déjà, je les avais déjà Mastery Max, comme le Dark Step, ça s'appelle le Étape Dark. En fait, c'est tout est mis en français, en fait. Et celui-là, qui est l'électricité, c'est marqué électrique. Je l'ai aussi Mastery 600, ça, c'est bon. Et il y a aussi le Kung Fu des hommes-poissons, normalement. Ça c'est le 21, donc du coup ça s'appelle le fil de l'eau. Je l'ai aussi Master 600. Et il y a aussi le Dragonborn. Oui, le Dragonborn par contre. Ah ouais, 1500 fragments juste pour mettre le souffle de dragon. Heureusement que je l'ai Master 600. Je n'aurais plus à le remettre. Et voilà le Dark Step, mais le V2, qui s'appelle de base le D-Step. Ouais, ça s'appelle l'étape de mort. Il y avait l'étape de Dark, maintenant c'est l'étape de mort. Je l'ai aussi Master 600. Et maintenant on passe à la poursuivante qui est le Sharkman V2, qui est le karaté de Sharkman. Enfin, ouais. Et je l'ai aussi Master 600. Et si on repasse au Super-Humain, heureusement aussi que le Super-Humain, je l'ai aussi Master 600. Maintenant que je sais que j'ai tout pour pouvoir avoir le Super-Humain V2 et le Doug V2, je n'ai juste qu'à attendre que le Update 17 partie 3 sort. Pour que je puisse les acheter, ainsi pouvoir faire des tutos sur les deux trucs. À présent, c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et aussi à laisser un commentaire de ce que vous en pensez. Mais aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis ciao.